Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui, on va continuer notre petite ville et on va essayer de faire plusieurs choses. Alors on va déjà voir que il n'y a pas assez de clients. On n'a clairement pas assez de clients. J'ai toujours pas fait la vidéo pour régler les problèmes aussi ici qui deviennent très préoccupants et qui me font très très peur. Clairement, il y a un arrêt ici qui m'énerve. Ah, il faudrait que j'y touche pas, hein, il faudrait que j'y touche pas, il faudrait que j'y touche pas, mais ah, c'est plus fort que moi. C'est clairement plus fort que moi et on verra parce que ça cause beaucoup. Ok. J'aimerais ben, répondre à la demande de résidentielle. On doit faire ça. J'aimerais possiblement faire ça ici, mais. On va une fois voir avec le bruit pour le moment. Vous voyez, on a du bruit là. Alors, c'est pas trop. Ah, mais on a quand même du bruit ici aussi, du bruit là principalement. Donc, oui et non, on va dire. Je crois que je le ferais bien pour quand même fermer la zone. On pourrait se faire une route avec ces petits trucs. Alors, on a toujours ce bug de l'autre fois. Alors, on va une fois voir. Faire comme ça. Voilà. On va aussi prendre cette route. Et on va la connecter. Pourquoi? Parce que du coup, moi, je vais vraiment tout pouvoir fermer ici. Et ce sera très sympa. Ah, on va peut-être passer ici contre. Voilà, je trouve qu'on est plutôt bon là. Colorier ici. On va colorier là. Alors j'ai envie de vous dire de que j'ai envie de faire vraiment ça ici aussi. J'ai envie de faire quand même là. Hein. Et je mettrais bien genre une petite. On a déjà les routes ici qui sont. J'ai déjà mis des barrières. Ah là. Et clairement on peut le faire. On peut le faire. Parfait. Voilà, on va avoir des habitants. On va voir un peu ce que ça a donné. On pourrait peut-être mettre quelques petits arbres par ici pour un peu essayer de bloquer le bruit, on va dire. Que ça bloque le bruit. Je suis sûr que ça bloque le bruit. Bref, ici on va avoir nos petits trucs en plus. Ça va être très très cool. On a des problèmes d'argent. On perd de l'argent. Ça. Perton de là. Pas assez de clients. Alors, il faut qu'on attire des clients et pour attirer des clients, ben, il faut qu'on ait des voyageurs. Alors, vous savez quoi? Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que on va devoir faire pour plusieurs raisons. Alors, c'est pas pour cette raison-là, c'est pour la raison. Le voit pas, ce serait réglé. Vous voyez ici, on a plein de soucis et en fait, ça nous cause plein de problèmes.
le fait d'en fait avoir la disparition qui est désactivée. Alors, je vais faire ça pour que ici ça se règle et que ça aille mieux. C'est triste, je sais. Mais je crois qu'on va quand même le faire un peu. Attendez, là on active ou on active la disparition? Attendez, du coup on est en disparition ou pas là? Trafic. C'est rien. Je sais pas. J'ai fait un tuto sur ce mode, hein, mais je ne sais plus ce que j'ai dit. Comme d'hab, quoi, à la base. J'aime beaucoup ce petit quartier, je le trouve assez sympathique. Je mettrais bien des parkings. J'avais mis ça dans mes tutos. Enfin, j'ai fait un tuto sur les parkings, les 5. Enfin, un tuto, non, j'ai fait une vidéo sur les parkings. Je mettrais bien ça. Ici, on a toujours 80%, donc j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'aller. C'est où mon problème? C'était là. Activer la disparition. Ah, et là, c'est bon. Ok, donc. Ok. J'ai pas compris. On va la garder activée. Du coup. Parce qu'elle était désactivée et là elle s'est activée. Vous voyez ici, du coup, ça. C'est chiant. Et du coup, en fait, on n'a pas de nouveau qui arrive parce que. Ben, ça doit. Ça bloque quoi, et c'est très très chiant. Regardez, il y a du monde qui va arriver, mais il n'y a qu'une seule entrée et sortie. Donc, moi, je vais aller régler ça. Je vais en faire quelques-unes parce que ben, on a juste une autre là-bas, je crois. On va zoomer, comme ça on peut aller. Là, par ici et là. Donc clairement. Il faudrait que là on ait une route plutôt pas mal. J'hésite à même mettre un. Pourrait venir par ici quelque part, non? Ça pourrait pas être pas mal. Ou alors on pourrait mettre la sortie ici. Une sortie là. Et puis un sous-sol pour traverser. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. 500 ici. Ouais, ok. C'est pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup de passagers en plus. Enfin, de touristes. On va tester ça. Je vais voir comment on peut faire. On va le mettre ici. Alors oui, il faut une route quand même. On fera bien. On réussira bien à faire une petite route qui va longer ici. On va faire un truc quand même droit. Voilà, on va mettre ça ici. Ouais. Pour le moment, je vais faire comme ça et on verra bien après. Parfait, alors j'aimerais du coup. Alors la question ça va vraiment être finalement est-ce que bah, on fait pas une sortie genre là? Comme ça, on le fait passer en sous-sol. Jusque là pour aller là. Moi je tendrais bien la chose. Et je dirais même qu'on peut créer une ligne qui va de ici jusque là. Ça ne veut pas.
pas pourquoi ça ne veut pas. Oh, ça devrait bien. Ah ben non. Si j'ai pas deux trains qui se connectent pas, c'est sûr que ça va pas aider. Ici, ah du coup, pas pour ici. On va voir, j'espère que ça pourra nous attirer des clients et surtout des clients qui viennent de là-bas plutôt que là-bas. On verra, hein. On verra bien comment ça va se passer. Voilà. Petite zone industrielle, en plus, on va continuer à remplir, je crois, ici. Alors, ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression que ben, ça part, donc on peut continuer à développer cette zone. Alors, on va juste se tourner. Et voilà. On a toujours ce bug de vague, enfin de tsunami, c'est très chiant parce que bah, clairement on n'en a plus. On n'en a plus. Bon, c'est comme ça pour le moment. J'hésite à remettre un deuxième centre de fret ici, donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une sorte de découpe. Et je dirais bien genre... ici. Et je ferais bien un truc du genre... ça. Comme ça. Ah. Et comme ça, ici, on a notre petite zone qu'on va pouvoir créer. Une petite zone sympatoche. Sympatoche. Est-ce que... bon, on peut laisser un peu... ligne comme ça. Pas mal. Hop. Là. Là. On est très très bon là. Bah écoutez, en vrai, je crois que je vais garder cette zone. Je vais remplir ici, mais j'ai très peur que... j'ai très peur d'avoir le même problème qu'on avait eu l'autre fois, qui était de ne pas avoir assez de travail. On verra, hein. On verra, parce qu'on a une zone à côté, et je crois que ben, on va bientôt la développer. Oui, on a cette zone. On a... ah oui, celle-là quand même. Ici, je sais pas trop ce qu'on va faire. En vrai, ça pourrait être marrant de aussi faire une zone. Allez. D'habitation. Et presque, pourquoi pas ici. Est-ce qu'il y a du bruit qui passe par là? On a des bateaux qui passent, mais est-ce qu'on a du bruit? Non, on n'a pas de bruit. Les bateaux font pas de bruit. D'accord. Donc ici on est plutôt pas mal, ça va en vrai. On a quelques morts par ici, on pourrait checker. Niveau université, on n'est pas bon, on n'est clairement pas bon, ça va pas. Ce qui me donne envie de refaire une université ici, pour vraiment toucher cela et cela et peut-être cela aussi. On avait un moyen. Comment est-ce qu'il faisait? On avait un sous-sol qui passait par ici. Ah non, on passe pas en sous-sol. J'avoue que c'est très bien ça. Faire partir ici en sous-sol pour rejoindre vers ici. On peut le tenter. Hein. Hop, on va dire en moins 10. Ah merde. Ah. Alors on va quand même remettre
ça. Je vais le faire aller donc ici. Traverser pour le faire tourner. Sortir. Il faut bien qu'il sorte plutôt là. Par contre, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. Donc, on va une fois voir. Mais au moins, ça me permettrait de toucher très facilement ici si on fait une université. Parce que ça peut être pas mal, une université en plus pour eux. Ouais, ça pourrait être bien. Ça pourrait être très très bien et intéressant. Alors, on pourra mettre même un peu ici parce que de toute façon, on a du bruit, non, ici. Ah, ça va encore. Là, on pourrait même mettre encore des habitations. Bah, chose que je vais faire. Là. Parfait. Donc ici, ça va être une belle zone bah, d'habitation quand même, hein, au final. Ici, il y a quand même un train qui passe. Qui m'intéresse quand même, du coup, aussi. J'aimerais bien juste voir comment se passe notre... Mon accueil 134, c'est vraiment pas mal. Et ici, 707. Le droit et l'arrêt suivant, c'est là. Ok, donc il y a vraiment une envie de venir jusque... ici. On a clairement pas assez de... Enfin, si, on a assez de véhicules. On a assez de véhicules. On va s'en plaindre. C'est... Ici, c'est toujours le bordel. Ouais. Ok. Problème d'électricité. Ah. Voilà. Voilà. Je vais aussi regarder ici en sous-sol. Est-ce que ça déconne fort ou pas? Non, ça déconne pas. Ça va. On peut pour le moment en tout cas lui dire, t'inquiète, tu peux sortir. N'aie pas peur, tu peux sortir, y a pas de. Ok. Là, on a notre train qui passe. Ok. Eh ben. On est plutôt bon, j'ai pas envie de faire université maintenant et en même temps je pense qu'on devrait quand même commencer à faire ça. On va faire un axe principal. Et on va essayer de se faire des petites zones sympathiques. En vrai, j'ai quand même envie de mettre ici notre grand bâtiment. Alors, une zone ici. Ah. Une petite zone campus. On va se faire. Un bureau administratif, ça ici. Parfait. Ensuite, alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Clairement, on va faire du coup des trucs un peu droits. Et on peut commencer à mettre encore des écoles. Hein. Dortoir universitaire. Ok. Ah.
Je sais quand même pas faire des trucs jolis. Hein. Franchement, c'est tellement mon point faible. Vraiment, je sais que c'est pas joli, quoi, ce que je suis en train de faire. Alors, je vais laisser ça parce que, ben, ça va nous être de toute façon utile. Hein. À se mentir, je sais que ça sera utile. De le mettre. Mais je sais que c'est moche. Alors, je vous promets qu'un jour, on fera des folies. Je vous le jure. Promis juré. À cracher. Mais je vous jure qu'un jour, ce sera vachement cool. Ok, bon, bonne chose, c'est-à-dire que tout cela ici, là, vous voyez, les bâtiments, là, ils sont en train de bien augmenter. On passe sur des belles grosses écoles. Ça me pose quand même des questions par rapport à ici. Attractivité, ok. Étudiants, on est à 800. Et là, on a combien d'habitants? Jeunes adultes et d'adolescents, 1740. Clairement, elle pourrait aller à l'école, quoi. L'université. Et on pourrait faire cette partie-là et ici une autre partie d'habitation, quoi. Une autre université. On pourrait clairement aussi faire une université ici. Ou alors je fais une seconde. En vrai, là, c'était pas une bonne idée de faire ça, et j'aurais peut-être dû faire ça. Ici, c'est quoi? Bureau, habitation... Là, on a plein d'habitations. Je crois qu'on va faire ça, là. Ok. On va dégager tout ça. Et vous savez quoi? Les futures modifications, on les fera au prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !